À 45 peut-être pas, mais Allez, 50, ouais. Ah, j'ai touché le mur. C'est pas grave. J'essaie au moins de trouver le moyen de bien prendre cette partie-là. Là, j'ai pas pris. J'essaie de trouver. Sais pas trop comment bien faire ici. Ah, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Comme ça. Non, c'est trop, mais tant pis. C'est pas grave. J'ai un carrément moins bon début que l'autre. Alors on sait qu'en faisant un bon début, on gagne 1 seconde 43. Voilà. Tant pis. Je vais essayer de faire un bon début, pour le coup. Alors je sais pas trop ce que vous pensez de cette carte, mais je trouve que c'est une de mes mieux réussies pour aujourd'hui. Enfin, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression, mais depuis que j'ai acheté le jeu et depuis que j'ai commencé à streamer du mapping de Trackmania, je trouve que c'est une de mes maps les plus. Une de mes maps les mieux faites. Donc, qui est peut-être la plus aboutie techniquement. Mais après, en termes de RP, un petit peu plus. Alors, j'ai pas mis de RP, j'ai mis de la déco. Par exemple, j'ai oublié de mettre les poteaux, vous voyez? Attendez. Là, vous voyez, il y a plein de poteaux à mettre là, et que je n'ai pas mis. C'est pas grave. Mais c'était juste, voilà, il fallait mettre un petit peu de déco. Parce que avoir juste de la route pour une fois. En fait, on a tout le temps juste de la route. Donc, c'est un peu embêtant. En fait, c'est mieux de se mettre en caméra 1 ici. Donc, même si on a moins de visibilité sur la direction, la trajectoire que prend la voiture, on voit beaucoup mieux ce qui se passe après. Donc, on peut savoir quand est-ce qu'on met un coup de volant. Là typiquement je pense que j'ai perdu moins de temps que la fois d'avant, voilà. J'ai gagné 50 centimes par rapport à la fois d'avant. Là je me suis pas trop mal débrouillé. Ok, c'était pas super là Soso, mais bon, pourquoi pas. Ah, j'ai 10 secondes d'avance. Oh, le checkpoint, non! Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il faut vraiment freiner en fait ici. Bon, j'ai perdu 3 secondes. J'ai perdu 3 secondes comme ça, tant pis. Alors là, le checkpoint. Celui-là, il faut bien freiner. Parce que du coup, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps. J'avais 10 secondes d'avance et là, je n'ai économisé que 3 secondes sur mon temps final. C'est terrible. Ah, on a fait un bon temps là au début. Pour le coup. Hop. Là je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Ah, je suis concentré, on dirait pas comme ça, mais je suis concentré. Ah, j'ai peut-être un peu trop freiné pour le coup. Ok. 54-12. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est pas mal. Moi, celle-là, elle me plaît pour l'instant. Je me suis pas trop mal débrouillé sur ce replay. Je sais pas si j'arriverai à faire mieux que ça. Je pense que oui, peut-être en économisant du temps, vous savez, au moment où on doit freiner pour prendre le checkpoint, là, la première fois où je me suis raté. Ah non, n'importe quoi. La première fois, je me suis raté où j'ai dû faire demi-tour pour aller prendre le checkpoint, parce que bon, j'avais beaucoup d'avance, donc je me suis permis de le faire, mais normalement, on ne fait jamais ça. C'est juste. Alors, j'ai perdu du temps. Ici, je pense qu'il y a moyen que je gagne du temps. Là. Ah. Vous voyez, ici on a assez de vitesse théoriquement pour arriver à prendre direct la bonne descente et partir en drift sur la suite du circuit. Mais à chaque fois je suis pas bien droit et ça m'embête.
Ah, là je me suis aidé du rebord. Ok. Donc pour le coup j'allais un peu trop vite et j'ai pas tourné assez... J'ai pas tourné assez tôt. Ah non! Je me demande s'il faudrait pas que je passe à gauche en fait, à ce niveau-là, au niveau du trou. Parce que. En passant à gauche, ça m'éviterait de taper la barrière à chaque fois, parce qu'il y a un virage à gauche, donc je serais déjà bien engagé. Ah non, n'importe quoi. N'importe quoi! Je sais pas si c'est plus rigolo de regarder quelqu'un valider une carte ou de regarder quelqu'un la mapper. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez me regarder mapper ou me regarder jouer? Pour la valider. Ou alors c'est les deux ensemble, je pense, qui est important, mais. Ah, je vais très vite là, hein. Je vais trop trop vite. Alors on se concentre. Ah non, j'ai tourné à droite, n'importe quoi. N'importe quoi, maquée. Ah, je vais y arriver un jour, peut-être. Peut-être, un jour. C'est pas sûr. J'ai dit combien? J'ai dit 50 secondes. 50 secondes, ça va peut-être être difficile. 52, pourquoi pas. En fait, si j'arrive à bien gagner de la vitesse, y a moyen que je fasse 52, ça c'est pas... C'est pas un souci. Oh non. Oh non. Aïe aïe aïe. Mais ouais, je sais pas quelle est la partie la plus dure de ce circuit. Bon, je suis en train de réfléchir en fait. Quelle est la partie la plus dure de ce circuit? C'est probablement n'importe quoi. Probablement. Y'a rien de dur en fait. Je suis en train de réfléchir. C'est probablement en fait le début. C'est le début. Quand on a fait un bon début, après. Ouais, il s'est laissé ça. C'est le saut là où il faut partir en plein milieu du looping. Ça c'est dur. On va dire que ça doit être le moins facile à maîtriser. Et après le deuxième saut, il faut être bien dans l'axe. Et encore, non, il est très simple ce saut. C'est juste que. Ouais. Ouais, je dirais que le plus dur sur cette carte, c'est l'enchaînement du début. Là de ce saut là avec le premier checkpoint. En fait c'est entre le départ et le premier checkpoint. Et après, bon là évidemment, je passe le premier checkpoint, bim! Je dois recommencer. Mais après je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés particulières. Je dis pas que ce sont pas des endroits où on pourra gagner du temps. Je dis juste que voilà, c'est pas des points qui sont difficiles à maîtriser correctement. Enfin. Je sais pas trop. Peut-être ici aussi, je sais pas. Parce que du coup ça saute un peu. Ah non, n'importe quoi! Parce que en fait ça saute un petit peu, donc pour maîtriser correctement le virage, c'est pas si simple. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup c'est vrai que pour les gens qui viennent de rejoindre la chaîne, ils ne voient que le début depuis tout à l'heure. Parce que oula, ouh, j'ai fait un départ parfait! Et genre parfait, parfait. Aïe aïe aïe. Non, le trou! Aïe aïe aïe. Oh non! Oh, comment j'avais tellement d'avance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis arrivé bien droit. Juste après ça, là, je suis arrivé bien droit. Comme ça. Voilà, je suis arrivé comme ça. Parfaitement comme ça. Je viens de le faire deux fois de suite. Aurais-je masterisé le truc? J'en doute. Alors là par contre j'ai freiné, ce qui est très bête. Parce que du coup j'ai perdu l'avance que j'avais gagnée. Ah non. Je sais pas si vous le voyez, mais à chaque fois que je fais un truc bien,
Je. C'est pas du stress, mais c'est juste que voilà, je panique un peu. Et j'ai tendance à ne plus être concentré ou alors à ne plus, juste plus réagir aux impulsions que donne mon cerveau à mes doigts. Moi, je suis sorti. En fait, je sais pas trop comment prendre cette sortie de looping. Je sais pas s'il faut que la voiture ait un gros angle ou pas. En tout cas, là, je l'ai bien pris encore une fois. Oh non! Oh non! Oui, je sais que je suis capable de faire un bon temps là-dessus, bien sûr, mais n'importe quoi. Je suis capable de faire un bon temps, de bien comprendre à chaque fois comment bien les prendre, mais je vais y passer des heures, hein. Je vais y passer des heures et vous allez en avoir marre, vous allez vous pendre avant que j'arrive à battre les 50 secondes, hein. Là, je l'ai pris comme ça, c'était pas du tout une bonne idée. Je me suis dit, je vais freiner plus, comme ça je pourrais mieux prendre le virage bien droit, mais non, pas du tout. On perd beaucoup trop de vitesse, et puis en plus, c'est pas optique du tout. Alors, je vais continuer les circuits à chaque fois pour m'entraîner. Donc, potentiellement, je n'arriverai pas à faire mieux, mais. On est bien à gauche, là, voilà. Ah non, j'ai touché par contre, là ça c'est vraiment dommage. Parce qu'au final je ne m'entraîne jamais sur la fin du circuit et je sens que à force de faire des trucs parfaits, n'importe quoi. À force de faire des trucs bien au début, ben, je vais rager parce que je vais les refaire en boucle. Et sur la fin, je vais être mauvais quoi. Alors est-ce qu'on n'arriverait pas à passer au-dessus? Je suis en train de me dire. Je vais voir si on pourrait pas le faire. J'en doute, mais non, n'importe quoi. Je me disais, vous voyez le trou dans lequel on rentre après le deuxième saut, et ben de passer au-dessus pour économiser du temps là ici, mais non non je pense pas qu'on ait assez de. Ah! Oh non! C'est dommage parce que là j'étais bien sur le bord et tout, mais un peu trop. J'étais un petit peu trop sur le bord. Alors forcément, ça ne passe moins bien. Alors là j'ai ralenti, c'était pas une bonne idée du tout. Parce que du coup là j'ai 85 centièmes de retard. Ça fait beaucoup. Mine de rien sur un seul saut, perdre une seconde alors qu'au final j'ai réussi à le passer. Ça fait beaucoup mine de rien. Ah non, j'ai touché la barrière. Pourtant, j'étais à fond. Hein. Si vous voulez, le meilleur Twitcher au monde, voici sa page Twitch. Ah, bah c'est gentil. N'importe quoi. Le pire, c'est que tu sais que c'est ironique et que tout le monde va savoir que c'est ironique. Aïe aïe aïe. Mais c'est gentil. En tout cas, voilà, tu vois ce type de phrase là, tu peux aller le. Ah! Tu peux aller le poster sur toutes les chaînes de stream que tu regardes. Ça va me faire de la pub. Alors après, voilà, tu vas peut-être passer un petit peu pour un vendu. Mais bon, c'est moi que tu préfères, n'est-ce pas? Alors là, je suis allé taper dans le mur. On n'aurait pas dit, mais c'était fait exprès. Bon là non, c'était fait exprès pour voir en fait si tourner comme ça, ce serait pas plus opti, mais je suis pas sûr, je pense pas. Je pense qu'en dérapage, ce sera bien plus opti que. Dans les virages aussi larges, quelle que soit la vitesse, à mon avis, c'est mieux de faire du dérapage que de frapper un mur. Parce que frapper un mur, en fait, ça réduit votre vitesse instantanément. Alors certes, ça vous fait tourner instantanément, et ça réduit votre vitesse instantanément aussi. Donc, si vous n'êtes pas obligé, c'est pas mal. Bon, c'est pas si mal. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir... Oh non, ma roue arrière qui a touché. Non! C'est terrible. C'est pas mal. Sais pas pourquoi j'ai ralenti, mais tant pis. Ah non. Trop large, beaucoup trop large. Alors,
Je commence à maîtriser un petit peu, alors là pas du tout, mais je commence à faire plus de bons débuts que de mauvais débuts, ce qui est bon signe. Sais pas ce que vous en pensez. Ok, il faut que j'arrête de parler en fait, je pense. Tout simplement, il faut que j'arrête de parler parce que voilà, parce que je fais des conneries et que ça va pas du tout aller. Si je continue comme ça après. Aïe aïe aïe! Voilà, allez! Ah mais non! Ah mais non! Ah non. J'ai perdu du temps, c'est pas grave! Ah, je vais toucher! Oh! Ok, c'est pas si grave que ça. J'aime bien, c'est pas si mal parce que du coup ça me fait freiner. Et là, je vais me planter juste là, vous allez voir. Ah non. Ah, il fallait bien que je me plante quelque part. Ah non. Ouais, bon, ouais, c'est pas parfait, mais 52-50. Oh! Est-ce qu'on essaie d'améliorer ça? À mon avis, je n'y arriverai pas. Enfin, si, j'y arriverai, mais là. Dans le quart d'heure qui vient, je n'y arriverai pas. Alors, on va valider ça, je vais la sauvegarder. Sauf que je ne sais pas encore du tout comment je vais l'appeler. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Alors, pour le coup, je me suis pas pris la lumière dans la gueule depuis quelques temps. Je vais la remettre. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette carte, vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Après, il y a des choses que j'aime beaucoup que je n'ai pas mises, hein, évidemment. Mais on a particulièrement un œil des Illuminati là, comme vous pouvez le voir. Si on visualise la carte, si on visualise la carte, alors que je retrouve l'angle parfait, tout à l'heure j'en ai vu un. Là, vous le voyez ici, là, vous mettez un point là, un point là, un point là, vous avez le triangle pyramidal des Illuminati. Tu as vu Vinuc? Je ne l'ai pas lu. Je me suis retenu. Cela prouve bien que, mine de rien, je lis un petit peu les messages avant de. Avant de lire. Alors, donc pour le coup, comment je l'appelle? Alors, non, je ne veux pas le faire maintenant. Je vais l'appeler. Alors, déjà dans My Map, ça c'est sûr. Parce que celle d'avant, celle de la tech d'avant de nuit, on avait mis So Many Blue Lights. C'était pas mal. On peut mettre ça, soyez le pudding. Parce que c'est la seule carte, je pense, où on va mettre un pudding jaune. Donc pour le coup, on va s'en souvenir. C'est pas. Ça manque d'originalité. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, ça manque d'originalité. Mais bon. Why not? Why not? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Bon bah écoutez, ouais, non, je pense que je vais l'appeler comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit, Vinek? Wow, so? Wow, so quoi? Juste wow, so? Ah, wow, so, des Illuminati. Ouais, mais le truc c'est que si je l'appelle des Illuminati. Pour le coup, c'est vrai parce qu'il y a encore un œil et c'est, il revient, c'est récurrent, c'est machin, ces trucs, c'est sympa. Mais dans un mois, quand je vais regarder les cartes, je vais jamais me souvenir que des Illuminati c'était celle-là. Non, mais en fait, c'est une blague, mais pour le coup, ça pourrait être une bonne idée d'appeler une carte comme ça parce que c'est sympa. Non, je vais l'appeler Yellow Pudding. Hein. Ça peut être une bonne idée de l'appeler comme ça, mais en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il faut vraiment du coup aller chercher de faire des triangles exprès, des trucs comme ça.
Mais un jour, on fera une carte comme ça. On fera une carte Illuminati. Ne t'inquiète pas. C'est un des thèmes prévus. Donc, on va y arriver un jour. On va y arriver. Pour le coup, j'aime bien. J'arrive pas à me dire que j'ai réussi à faire une carte que je trouve moi-même plutôt jolie. Voilà, alors il n'y a pas de RP, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a des trucs qui sont encore tout moches. Mais il y a de la recherche là, il y a le double petit serpentin. Il y a un petit machin comme ça, un petit machin comme ça. Le petit rebord avec les panneaux. Voilà. Ouais. Ça, bon, ouais. Ok, bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a terminé. Ouais, on a terminé, moi ça me va.